Coucou à tous, voici de retour, non pas le mot du jour, ce sera plusieurs mots, la loi de l'attraction. Aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Alors c'est quoi, comment ça marche, on entend beaucoup parler. Ma définition, mes mots à moi, les voici. Il s'agit de vibrations que l'on envoie dans l'univers. Alors l'importance de nos pensées positives, car l'univers ne fait pas la différence entre le bien, le positif et le négatif. Nos pensées se cristallisent. Très important, je répète, nos pensées se cristallisent. Mais où donc ? Eh bien, dans l'univers. Alors, que ce soit une demande consciente ou inconsciente que l'on fait, que l'on pose, d'où l'importance de la pensée positive et de la bienveillance. On y travaille tous. Alors je dis ce que je veux à la source. J'affirme avec conviction en visualisant déjà d'avoir. Ce n'est donc pas une demande, c'est déjà fait et acquis. Alors nous pouvons parler du pouvoir créateur, de la magie, de la clarté d'esprit, de la croyance, de l'amour. Je voudrais également parler de la foi, voilà, de la constance en ce qu'on souhaite et la foi en nous, le ressentir, ressentir à l'intérieur. Il faut que ça nous habite. Le vive, que ce soit déjà là à l'intérieur de nous. Nous choisissons notre expérience dans la vie avec des affirmations positives par la visualisation ou l'écriture aussi. Voilà, n'oubliez pas de lâcher prise.